Bonsoir Christophe Pirel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Je vous ai présenté comme un représentant de la gauche dans le département des Hautes-Alpes. Mais quelle gauche au juste? Il y en a plusieurs. D'abord la gauche la plus large possible. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a hélas plusieurs aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent toujours pas s'unir. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont capables de penser à l'intérêt général et ceux qui confondent l'intérêt général avec leurs intérêts particuliers. Et hélas, je ne me reconnais plus dans une partie de la gauche qui présente des candidats pour présenter des candidats, qui veulent absolument être juste élus. Et en fait, qui ne pensent pas à pourquoi ils veulent être élus. Vous savez, quand on a fait le choix au municipal, à Gap, de s'unir et de partir des citoyens, et de repartir des citoyens, et de ne pas penser que, en fait, les partis politiques, on a fait la démarche de penser au projet, on a fait la démarche de penser à ce qui allait changer la vie et ce qui allait changer le quotidien des gens, mais c'est ça, en fait, qui est le fondement même de la nouvelle politique à gauche. Et ceux qui continuent à ne pas avoir compris ça, ceux qui continuent même au Parti Socialiste, parce que je sais que j'ai été longtemps dans ce parti et j'y suis toujours encore. Oui, j'y suis encore, mais je ne me reconnais plus aujourd'hui dans le Parti Socialiste des Hautes-Alpes qui considère qu'il faut absolument présenter des candidats pour présenter des candidats et qui ignore totalement une question qui est qu'est-ce que les citoyens attendent de la gauche, notamment dans le département et à Gap. Mais quand on les interroge, ils disent la même chose de vous. Mais la preuve que non, regardez, je ne suis pas candidat au départemental, je ne suis pas candidat au régional, donc vous pourriez le dire. Mais vous auriez pu les soutenir, par exemple, la gauche part complètement désunie pour les élections départementales à Gap. Pas désunie, en fait. Non. Elle part totalement unie, en fait. Il y a Gap juste autrement et un collectif qui rassemble plus de, c'est de sensibilité. Alors, c'est bien ça, le sujet. Vous allez vous opposer sur des mêmes cantons. Mais c'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. Et je suis d'accord avec vous. Mais en fait, l'union, elle est avec nous. Vous avez tous les partis de gauche, sauf le Parti Socialiste, et tous les mouvements citoyens qui se sont unis autour des candidatures, justement, d'un collectif qui s'appelle Hautes-Alpes solidaires, écologistes et citoyennes. Mmh. Et autour de ça, il y a tout un projet qui a été construit dans tout le département, à Gap en particulier, et avec Ambition pour Gap au sein de ce mouvement. Il y a un parti, le Parti Socialiste, qui en plus n'affiche pas sa couleur sur les affiches de Ensemble. Parce que vous savez, c'est pas parce que vous mettez Ensemble sur une affiche que vous rassemblez. C'est comme les républiques démocratiques et citoyennes, vous savez, qui sont en fait des dictatures. Nous, ce qui compte pour nous, c'est l'union de la gauche. L'union de la gauche, on l'a faite. Elle est faite. Mais qu'est-ce qui vous sépare, Christophe Pirel, de Marie-Josée Allemand, par exemple ? C'est pas parce que certains candidats décident, pour leur intérêt particulier, de se présenter et de se présenter contre nos candidats qu'ils ont raison. Ils ont tort. Vous pensez que c'est des querelles de personnes, là ? Oui, c'est des querelles de personnes. Parce qu'au fond, vous êtes de gauche, tous. Oui, on est tous de gauche, mais il n'y a pas grand-chose qui vous différencie. C'est profondément des querelles de personnes. Moi, je regrette absolument. C'est-à-dire que souvent, ça se construit contre les autres. Et ces candidatures, elles n'ont pas de sens. Elles auraient dû effectivement être unies. C'est un regret. Mais je crois profondément que nos candidatures vont gagner. Vous savez, la dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 2020, c'était au municipal. Elles nous ont empêchés de gagner les municipales à gauche. Je le regrette. Mais cette liste-là, qui s'était opposée à la nôtre, a fait 12% quand on a fait 34%. Donc, vous voyez bien que l'aspiration, elle est de notre côté. Le mouvement, il est de notre côté. Pourquoi ? Parce qu'on a profondément changé de façon de faire de la politique. Et vous ne pouvez pas, moi, me taxer de penser à ma carrière, à ma personne, puisque je ne suis pas candidat. Et en revanche, je soutiens ce collectif. Je fais en sorte qu'il puisse gagner. Parce que ce qui compte, je le redis, c'est l'intérêt général et non pas les intérêts individuels de chacun.